Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit retour d'expérience et un partage sur une activité que je me suis lancée cette année, c'est la gravure laser. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils, si c'est tes premiers pas, pour que tu gagnes un maximum de temps et que tu n'aies pas trop de doutes hein, en te servant de la machine. Pour tout ce qui est montage de la machine, je t'ai pas fait de vidéo. Il y a déjà deux vidéos en ligne sur YouTube. La première, c'est pour tout le montage, donc technique. Cette vidéo, elle est très bien faite. Je te la mets en fiche d'ailleurs, pour que tu la trouves plus facilement. Et puis, il y a une deuxième vidéo pour la première mise en main, c'est-à-dire la connexion. Je vais quand même te donner quelques conseils sur la connexion. On va utiliser la graveuse laser de chez Ortur. C'est la Laser Master 3. Vous assemblez la machine, ne serrez pas trop fort toute la visserie, d'accord? Donc vous serrez, une fois que c'est en force, vous arrêtez. Ou sinon, vous risquez de casser les pas de vis. Quand tu installes ta machine, d'accord? Dessous, elle a des pieds antidérapants. Si tu vois que ta machine, elle a trop de mouvement, n'hésite pas à lui mettre sous les pieds un peu de pâte à fixe. Des petits morceaux, tout simple, dessous. Comme ça permettra qu'elle soit bien stable. Et tu fais ça sur les quatre pieds. Comme ça te la stabilise. Là, tu es sûr qu'elle n'aura plus aucun mouvement. Avant de t'en servir, pense aussi à bien graisser tes courroies. Tu vois, lubrifiant silicone. Tu viens sur tes courroies, d'accord? Et tu viens graisser tes courroies, tout simplement. Hop, tu les graisses délicatement. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Tu les graisses un peu. À un doigt, hein, faut que tu puisses le faire pivoter sans que ça force. La machine. Avant de la poser, quand tu la tiens droite, si tes courroies, elles sont assez graissées, cette barre centrale, elle doit descendre toute seule quand tu la tiens droite. Et là, tu sais que tes courroies, elles sont bien réglées. Avant de lancer ton logiciel, remets bien ta machine toujours au point zéro. Donc, tu la prends, hop, tu rabats bien comme ceci et la tête ici. Tu mets bien ton point zéro au fond à gauche, d'accord? Vers le logo Ortur. Comme tu peux voir, moi, j'ai fabriqué un caisson hein, pour les poser bien propre, etc. La première que tu vois en bas, c'est celle sur laquelle j'ai fait mes armes, hein. C'est les entrées de gamme, mais elle était très compliquée à cerner. Donc c'est pour ça que je te l'ai pas présentée et que je préférais vraiment te présenter une machine très fiable. Sur les Ortur Laser Master 3, tu as une entrée d'air, d'accord? Donc ici, tu as un tuyau que tu vas pouvoir venir connecter. Il va falloir relier une pompe à air qui va t'envoyer de l'air et tu peux graver avec deux modes. Tu peux graver soit avec une entrée d'air. Ta machine va graver bien plus fort ou tu peux graver sans. Moi personnellement, pour les gravures que je fais, j'ai pas besoin de réinjecter de l'air. Par contre, il y a une manip qui est importante à faire, d'accord? Quand tu veux graver sans air, tu enlèves le capuchon, d'accord? Il se déclipse, hein, tout simplement. Et tu as de base, hein, quand tu reçois ton laser, tu as cette tête qui est montée sur ton laser, d'accord? Si tu veux graver avec une entrée d'air, donc si tu connectes le tuyau avec une pompe à air, tu me laisses bien cet embout et tu me remets le cache. En revanche, si tu veux graver comme moi sans air, puisque tu n'en as pas besoin, tu l'enlèves. D'accord? Tu l'enlèves et tu remets seulement le cache par-dessus. Pour rebondir sur l'entrée d'air hein, que tu peux avoir, elle va vraiment te servir si tu veux faire de la découpe. Donc si tu as des panneaux hein, qui sont inférieurs à 5 mm. Ben là, on a sur un panneau qui fait 2 mm. En un passage, voire deux, tu vas pouvoir les découper. Moi, personnellement, je fais très peu de découpe. Donc, je m'en sers quasiment pas. Mais je préférais te le préciser, hein, si toi, tu veux faire de la découpe avec. Quand tu achètes ta machine, on te fournit avec une petite clé USB. Sur cette clé USB, tu vas retrouver les deux vidéos que je viens de te parler qui sont sur YouTube. Donc tu pourras les exploiter directement sur ton ordinateur si tu n'as pas Internet. Et dans cette clé USB, elle est détachable et il y a une petite carte SD. Et cette carte SD qu'il y a dedans, il faut absolument me la loger à l'intérieur de ta graveuse. Tu as un lecteur de carte qui est juste à l'intérieur. Je vais te le montrer de plus près. Si tu ne mets pas la carte à l'intérieur, tu ne pourras pas connecter ta graveuse, hein, à ton PC. Dernier point important quand tu vas faire ton montage, de base, le loquet est dans ce sens. Il te bloque un des moteurs. Donc pense bien à pousser le loquet vers la droite. Ou sinon ta graveuse, elle ne pourra pas graver. Parce qu'en fait, ta graveuse, elle fait des mouvements de droite à gauche et des mouvements du fond vers l'avant.
Et si tu laisses le loquet sur la gauche, elle ne pourra pas faire ses mouvements. Donc tu seras bloqué en fait. Avant de pouvoir lancer ta graveuse laser, il va falloir que tu télécharges un logiciel qui va donc la gérer hein, avec ton PC. Il y a deux grands logiciels. Tu vas avoir Laser GRBL et tu vas avoir Lightburn. Moi, je te conseille vraiment le logiciel Lightburn. Alors, il est gratuit pendant 30 jours et après, tu vas le payer. Mais tu le payes qu'une seule fois, aux alentours de 70 euros. Moi, ça fait un an que je l'utilise. J'ai pu voir un petit peu Laser GRBL. Franchement, Lightburn est bien meilleur. Lightburn, il est en téléchargement libre sur Internet. Donc, tu te rends hein, sur la page de Lightburn. Tu vas avoir un onglet Downloads. Tu choisis le logiciel, que ce soit pour Windows ou pour Mac. Moi, je tourne sur Mac. Tu le télécharges et tu l'installes. Une fois que tu as installé le logiciel, hein, tu vas l'ouvrir. On va connecter donc le port. Nous, on est sur de l'USB. Et on va venir appareiller. Hein. Moi, je suis déjà connecté, mais je te le refais. Tu vas dans Appareil et tu fais trouver mon laser. Ça, c'est pour le faire automatiquement. En général, ça marche pas. Il va pas réussir à te trouver. On va être obligé de le faire manuellement. Donc tu retournes en arrière et tu vas faire créer manuellement. Tu vas sur GRBL, clé USB, et là tu tapes OLM3. 400 par 400, c'est les dimensions, et tu te mets bien au fond à gauche. Et tu enlèves l'autoguidage pour le démarrage. Et là tu finis l'installation, il me l'a créé. Moi je le supprime, j'en ai pas besoin. Si quand tu trouves ton laser, il te met port introuvable, tu fermes Lightburn, d'accord, et tu vas venir tout simplement le relancer pour qu'il se reparamètre. Là, tu le relances. Si on va dans console, tu vas voir, il nous l'aura trouvé direct. Hein. Il est OK. Là, on va faire un test. On va se mettre sur déplacer et on va tester le laser. Donc, tu me le testes vers le haut. Tu me le testes après vers la droite. Hein. Tu me le fais circuler dans tous les sens. Vers le bas, vers la gauche. Pour le faire revenir à sa base, tu appuies sur la petite maison. Et là, on est bon, on est connecté. Avant qu'on passe hein, sur l'utilisation et les fameuses gravures qu'on peut faire, si tu viens toucher ta machine comme ceci, tu vois, là je la bouge manuellement, on évite de le faire, d'accord? Donc je viens bouger ma machine dans tous les sens. Ta machine, elle va se mettre en erreur, elle va se mettre en blocage automatique. Quand elle se met en blocage, tu ne peux plus rien faire. Il faut que tu viennes la débloquer. Donc quand tu l'as bougé, si c'est arrivé, que t'as arrêté, je sais pas, t'as arrêté ta gravure d'un côté, tu l'as mis en arrêt d'urgence, et que tu viens la remettre à son point de départ, d'accord? Après la manip qu'on fait pour la débloquer. Là je l'ai bougé à la main, elle s'est verrouillée, erreur 9, donc on va la débloquer. Dans la barre, tu tapes dollar $X et tu fais entrer. Et ça va te la déverrouiller. Si quand tu rentres le code de déverrouillage, elle veut pas se déverrouiller, tu fais comme d'habitude. Tu réteins Lightburn. Tu réteins la machine et tu rallumes les deux. C'est souvent hein, que Lightburn, il est plus judicieux de l'éteindre et de le rallumer pour qu'il refasse bien ses paramétrages. Souvent, quand elle se bloque ou qu'il y a une erreur, n'hésite pas à réteindre ton laser et à éteindre ton Lightburn et à les relancer. Sur le laser, tu vois, quand tu vas venir le régler, tu as une petite pièce en plastique qui va te donner la hauteur à respecter pour la gravure. Régler la hauteur hein, avec ta petite cale, tu serres ta vis. Et après la cale, tu la replies, tout simplement. Avec ta graveuse, tu peux réaliser plein de projets. Ça, tu vois, c'est une planche à découper que j'ai fait pour ma femme, hein, sur le thème Walt Disney. Donc, je te montrerai après dans les réglages comment on fait pour récupérer des images, les insérer, etc. Tu vois, donc ça, c'est tout fait avec la graveuse. J'ai fait aussi, tu vois, un miroir. Donc ça, c'est à mon fils, hein, j'avais fait un logo pour mon fils. Faire aussi des stylos. Enfin, on peut graver énormément de matière. La seule matière qu'on peut pas graver directement, c'est tout ce qui est transparent. Si tu veux graver quelque chose qui est transparent, tu ne pourras pas. Il va falloir que tu utilises une peinture acrylique, donc une peinture premier prix hein, que tu achèterais à Action, acrylique. Tu viens donc peindre ta surface qui est transparente. Donc noir en général, on prend. Tu la mets dans ta graveuse, tu fais la gravure, et après avec un dissolvant, tu viendras enlever la peinture et tu auras pu la graver. Pour revenir donc sur la matrice que je te parlais, là je vais tracer l'emplacement de mon rond où je vais graver des choses à l'intérieur. Moi, mon rond, je l'ai mesuré. Ici, tu vois, tu as un cadenas. Tu peux le fermer ou le déverrouiller. Quand tu veux mettre tes côtes précises, déverrouille-le. Donc là, moi je sais que
Mon rondin de bois fait 11 cm. Donc ça correspond à 110 d'un côté, 110 de l'autre. Hop. Donc je lui donne les côtes. Et là, il va me mettre mon rond parfaitement à la bonne taille. Maintenant, je vais sur console. Voir que tout est OK. Tout est OK. C'est bon. Couper calque. Couper calque. Donc il m'a créé une ligne. La ligne, c'est la ligne pour le cercle. Je vais te montrer. Là, tu peux faire donc remplissage, si tu en voulais remplir le cercle, ou juste tracer la ligne. Nous, c'est juste la ligne qui nous intéresse pour qu'on puisse placer notre rondin de bois parfaitement à son emplacement pour une future gravure. Donc là, tu vois, une fois que tu as fait ça, c'est pour ça que la matrice en carton, elle est importante. Là, au niveau des puissances, hein, on va se mettre assez bas. 30 et 2007, c'est parfait. On est nickel. L'air, on n'en a pas besoin, d'accord? Puisqu'on grave sans air. Et là, après, une fois que tu as fait ça, tu as juste à faire démarrer. Donc là, je démarre. Et là, tu vois, il va me tracer le cercle. Tu vois, hop, parfaitement. Et après, il retourne à sa position de départ. Et là, j'ai l'emplacement parfait pour positionner mon rondin. On retourne sur la matrice. Donc là, je vais dans couper calque. Je vais désactiver mon cercle. Tu vois, je vais dans sortie, je désactive. Et là, il se met en transparence. Là, maintenant, on va insérer une nouvelle image. Donc là, c'est une image que j'ai prise sur Google, hein, Hercule. Donc là, tu vois, il m'a créé une ligne. Il m'a mis image. Donc là, je peux la déplacer. Je peux la réduire. Là, je vais venir la placer dans mon cercle. Et tu vois, tu peux désactiver aussi cette ligne pour l'avoir en transparence, pour bien le centrer. Moi, ce que je te conseille pour avoir une image de bonne qualité, c'est de faire tracer l'image. Donc, clic droit et de créer un vectoriel. Avec cette ligne, tu peux ajuster les traits, plus ou moins prononcés. Tu fais OK, ça va te créer un vectoriel qui sera parfait. Ça sera bien plus simple pour graver. Une fois que tu as fait ça, tu peux tout simplement, hein, après, créer une couleur. Parce que sinon, il te met de la même couleur que le cercle, automatiquement. Donc à chaque fois que tu as un élément, tu lui mets une couleur différente. On supprime l'image de base, elle ne sert plus à rien, tu vois, elle va disparaître. Et là, donc, j'ai la ligne avec Hercule qui est en bleu et la ligne en noir qui est le cercle. Au niveau du remplissage et de la ligne, tu as deux types, hein. La ligne est plus fine, le remplissage est bien plus épais. On va passer à la puissance et la vitesse. Donc pour la vitesse, moi je grave toujours entre 2000 et 3000, jamais plus. 2007 c'est bien. Pour la puissance, là on va se mettre à 70, on grave sur du bois, ça sera parfait. Tu peux regarder le temps, tu vois, de gravure. Donc là tu cliques. Si je me mets en remplissage, je suis à 15 minutes de gravure. Donc, on va essayer en ligne pour que tu puisses voir la différence. On se met en ligne. En ligne, on va pas dépasser les 1 minute, je pense. Ouais, en ligne, tu vois, on est à 44 secondes. Nickel, on va pouvoir lancer la gravure, mais on va régler la hauteur avant. Attention, quand tu as tracé ton repère, pense bien à re-régler la hauteur de ton laser. Puisque là, bien évidemment, on s'est mis pour faire un traçage sur le carton. Mais là, en plaçant le rondin à l'intérieur, on est bien plus haut. Donc il va falloir remonter la hauteur de ton laser. Pour ça, c'est pareil. Tu peux le monter bien plus haut, d'accord? Tu redéplaces ton laser, la tête de ton laser, jusqu'à arriver sur ton rondin de bois. Donc là, tu vois, je vais le déplacer comme ceci. Hop, je me mets sur le rondin. Viens mettre ta petite cale en plastique qu'on a vu tout à l'heure. Tu règles ta hauteur. Hop, une fois que tu es dessus, tu serres. Tout simplement, et tu replies ta petite cale. Et là, t'es parfait. Tu mets ta feuille en carton. C'est la même chose que pour la horture. Utilise de la pâte à fixe. Et mets-toi des petites pointes sous ton carton avec de la pâte à fixe. Pour que quand tu places ton carton, il ne bouge pas. Donc tu vois, à l'arrière de ton carton, tu prends des petits morceaux de pâte à fixe que tu mets dans tous les coins et puis au milieu. Comme ça, quand tu viendras plaquer ton carton, ton carton n'aura pas de mouvement quand tu vas venir déplacer tes pièces. Parce que si ton carton, il a un mouvement, ça va te biaiser, hein, ton résultat. Et après, ça va te faire bouger pour ta gravure. On est bon, on fait démarrer. Et c'est parti, il va nous graver, hein, notre Hercule. Notre gravure
est terminé. Donc, c'est nickel. Dans les graveuses, tu as des lunettes de protection, peu importe la couleur, vert ou orange. Mets bien tes lunettes, ne regarde pas ton laser en direct, parce que ça abîme les yeux. Donc quand tu contrôles un petit peu ce que tu fais, du moment où tu la lances, pense bien à mettre tes lunettes. Pareil, quand tu fais de la gravure, essaye de ne pas avoir de courant d'air dans ta pièce. Et tu peux aussi installer un extracteur si ta pièce n'est pas assez ventilée pour évacuer les mauvaises odeurs. Parce que sur le bois, ça, comme c'est de la gravure laser, hein, émane des fumées. Ou c'est le plus violent, c'est quand tu vas venir graver sur tout ce qui est support plastique. Donc tu peux très bien installer une ventilation. Moi, ma pièce, elle est bien assez aérée. Donc pour les gravures que je fais sur bois, etc., ça suffit. Je te montre un projet photo. Si tu veux graver des photos, ne mets pas directement la photo dans Lightburn. Améliore ta photo avant. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Photolab. C'est disponible dans l'Apple Store et puis l'Android Store. Donc tu vois, tu peux améliorer tes images pour leur donner beaucoup plus de peps et plus de couleurs. Donc tu mets ta photo dedans et ça va te l'améliorer. Ça va te la colorer en fait bien plus. Et ça va permettre une gravure bien plus jolie. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Après, bon, bah ça te la traite, ça te la sort et tu peux la télécharger. Et pareil, pour avoir une belle image, tu peux enlever le fond. Donc une fois que tu as téléchargé ton image, tu utilises le logiciel qui s'appelle remove.bg. C'est un logiciel sur Google, pareil, c'est gratuit. Tu mets ton image dedans et comme ça, ça t'enlève le fond automatiquement. Dernier point que je voulais te préciser, tu vois le inversé, tu l'actives quand tu veux graver sur du noir ou de l'ardoise. Et quand tu n'as pas besoin, une photo normale sur du bois, tu le désactives. On va parler de la gravure sur métal. C'est vrai que quand on a une graveuse laser à diode, c'est pas évident de graver du métal. Il vaut mieux en avoir une au CO2. Mais ça reste possible. Il faut juste graver assez fort et en général faire plusieurs passages pour pouvoir le graver. De toute façon, on va faire la démo. J'ai pris la cote de ma spatule, d'accord. On va graver, nous, juste une partie intérieure pour les tests. J'ai tracé le repère, on la positionne et on lance la gravure. On est bien à 90 sur les deux pôles. Ça, c'est ma ligne de traçage que j'ai désactivée. On est parti. Sur le métal, on a vu que c'était gravé, mais souvent, des fois, juste ça marque. Après, au premier nettoyage, ça part. Donc, c'est toujours bien de passer plusieurs passages pour être sûr de bien incruster dans le métal. Parce que le métal, c'est un matériau qui est très résistant par rapport au bois. Là, on fait le deuxième passage. L'avantage d'avoir une bonne graveuse laser, c'est qu'elle est parfaitement calibrée. Elle repassera exactement sur les mêmes traits. À précaution, j'ai fait trois passages. À chaque fois, c'est une minute, donc ça va très vite. Après, on la sort. Et on voit le résultat. Voilà le résultat. Donc, je suis passé plusieurs fois pour bien incruster à l'intérieur. Et là, tu vois, j'ai beau gratter. Je peux gratter. Hein, je sens la surépaisseur déjà. Donc, tu vois, c'est bien gravé. Tu peux piloter ta machine aussi. Tu vois, il y a une antenne ici, juste sur le côté, avec du Bluetooth ou de la Wi-Fi. Donc, tu peux connecter ton ordinateur sans le branchement USB en Wi-Fi direct. Tu vois, dans ton Wi-Fi, tu sélectionnes ta machine. Pareil avec le téléphone. Écoute, moi je suis pas un très grand fan du sans fil sur les graveuses laser parce qu'il y a énormément de données qui sont envoyées pour réaliser ta gravure. Suffit que tu aies un défaut de connexion, etc. Ça va te faire rater ta gravure. Les gravures, comme tu l'as vu, quand tu fais que de la ligne, on est sur quelques minutes. Mais quand tu te lances dans des projets images, etc., on peut commencer dans les 15 à 20 minutes, mais on peut finir à plusieurs heures. Je te montrerai des gros projets que j'ai faits, où là, c'était carrément 15 heures de gravure. Donc moi, je te conseille personnellement de passer en filaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces conseils vous auront familiarisé avec la gravure laser. Franchement, moi, cette graveuse, je vous la conseille vraiment. Je me régale avec. Je vous ai mis en description le lien pour cette machine. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si la gravure laser, ça vous tente, moi, je vous conseille vraiment ce modèle. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à bombarder dans les commentaires de questions si vous avez, vous aussi, des expériences. Comme ça fera avancer le sujet. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.